Good morgen, allez, Yiden et Susra aujourd'hui, le Nishmat Yaakov ben Aisha, ainsi et Richard Aaron ben Fortuna Mazal, ainsi que les Fouat. Hanale Abad Ketel Devora et Sarah Bat Nechama Ptor Shachol Israël, si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishach, contactez dans 5 minutes éternelles. Nous étions Masrep Sachim, par écrit de Mishnah Gimel. Vio le Fanav, Metabel Bachazeret, Ad Shemagal et Parperet Apat. Vio le Fanav, Matsa, Bachazeret, Vacharoset, Ushne Tavchilin, Af Alpi. She'en charoset mitzvah. Rabbi Eliezer ben Tzadok Omer, mitzvah. Ravamigdash ayu mevin lefanav gufo shel Pesach. D'abord, une petite introduction très générale. Il faut savoir que ce qu'on fait aujourd'hui, le seder, kadesh, uchatz, karpas, erchatz, et tout ça, tout le procédé du seder, de Pesach, c'est pas écrit dans la Gemara de le faire de la sorte. Dans la Gemara, la Gemara n'a pas précisé et ordonné toutes les 14 étapes qu'on énumère dans Kadesh Uchatz Karpas. Non. La Gemara, elle a dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Il y a eu plein de discussions qui ont été soulevées de toutes sortes de manières, jusqu'à qu'à la fin, il y a eu les plus tard, c'était à l'époque des Rishonim, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a proposé ce CDR-là, qui a proposé maintenant, pour s'acquitter de tous les avis, Kadesh Uchatz Karpas, Yachatz, savoir, c'est tout un. J'insiste, quoi, le seder de la Agada proprement dite, à l'époque de la Mishnah, il y avait toutes sortes d'actions à faire auparavant. Il y avait un certain texte, comme qu'on découvrira, comme le texte qu'on dit en général, de la Agada, mais en tout cas, c'était moins ordonné, moins formel, moins, je sais pas comment dire, moins structuré de manière claire. Et il y avait quelques directives qui étaient dans la Mishnah, dans la Gemara, et au fur et à mesure, comme on a dit, il y a eu des discussions, et donc, du coup, les Rishonim ont organisé le fameux Seder qu'on fait avec les Kadesh, ou Khatz, Kapas, Eratz. Dans la Mishnah précédente, on avait déjà parlé de Kadesh, le premier Kiddush, le Kiddush qu'on fait avec la première coupe de vin. Il y a un grand principe de l'introduction au Seder, c'est d'éveiller l'attention, la curiosité des enfants. Donc du coup, tu fais toutes sortes de conduites un petit peu bizarres, étranges, inhabituelles, jusqu'à que les enfants vont se stimuler à vont commencer à se dire, mais qu'est-ce que tu fais, papa? En deux mots, poser les questions de Manishtana, en fait. Et une fois que l'enfant va poser les questions de Manishtana, alors on va débuter le CDR, c'est la Torah qui a insisté, de le faire sous forme de questions et réponses, comme ce qu'on verra dans la suite dans notre prochaine Mishnayot. Pour notre propos, donc pour le moment, on insiste, tu dois faire des conduites bizarres, de manière à ce que les enfants vont poser des questions. Là, on détaille encore plus les quelques conduites à faire, les histoires de. Chacun a commencé à être adopté ensuite, le bibilou, et de faire tourner le plateau, chacun à sa manière. Tout démarre à partir de la Gemara. Pour vous donner une idée, par exemple, l'histoire du bibilou, les Sfarades, ils font tourner le plateau, ils tapent sur la tête, chacun selon son usage. Initialement, l'usage initial, il était plus de voler de la matza, de l'arracher des mains. Il y a plusieurs manières comment interpréter, d'accord? Maintenant, on va commencer donc à. On a dit l'importance de faire des changements, des conduites original, de manière à ce que les enfants vont poser des questions. Il faut savoir, la Gemara, elle évoque, selon le Rashbam, que toutes sortes de situations où d'Amoraïm, ils ont adopté des conduites bizarres, et l'enfant, il a été un peu trop rapide et précoce à poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et la Gemara, elle dit, on n'a plus besoin de dire Manishtana, on peut commencer directement. Puisque tu as posé une question intéressante, alors ça y est, on s'est acquitté du devoir de poser la question, maintenant on va pouvoir commencer à te raconter le Seder. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire du Manishtana, où les enfants chantent, initialement, c'est vrai que c'est devenu formel aujourd'hui, il faut lire ce rituel, mais en théorie, ça suffisait d'adopter une conduite bizarre, rester les bras croisés, se mettre à manger des choses, mais papa, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Pourquoi on ne mange pas normalement? Et si l'enfant, il a posé la question clé, selon le Rashbam, on n'a plus besoin de dire le Manishtana, d'accord? Maintenant, on va commencer à faire l'ordre, j'insiste parce que sinon. Bon, je m'en fais pas de cours avec des intervenants, c'est quand même un avantage pour moi, mais sinon c'est fréquent d'avoir des tas de questions, mais Rav, c'est marqué comme ça dans la Gada. La Gada, elle est venue après la conclusion de la Mishnah et de la Gemara. On commence. Evio le Fanav Metabel Bachazeret. On a fini le Kiddush. En théorie, qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fini le Kiddush? On va se laver les mains et on commence à manger le repas. Et bien là, pour ce soir de Pessah, on va faire différemment. On va apporter devant lui quoi? Metabel Bachazeret. Littéralement, il va tremper son herbe amère. Ouais. Soit, Ad Shemagal est par Peretapat, jusqu'à qu'il va finir par arriver au moment de manger la
par Peret à pâte, de manger le pain, concrètement. D'accord? J'explique, c'est un peu... La Mishnah, elle a proposé un cas complexe, en fait, pour dire une chose simple. Parce qu'elle a voulu inclure plusieurs halakhot. C'est la fameuse histoire de... Après Kadesh, nous on fait Urchatz, Karpas. En fait, la Mishnah, elle dit pas Urchatz, on n'en parle pas. On parle juste de Karpas. On parle de manger un bout de légumes. De manger du légume. En théorie, ça pourrait être du Karpas, comme du céleri, du... Chacun avec son usage, du céleri, le Rizal insiste de prendre du céleri, du carpas. Et quoi? Alors le but en fait, il est très simple. Il est qu'au lieu de se mettre à faire le repas normalement, on va amener des légumes, on va commencer à manger des légumes comme ça, tranquillement, devant les enfants. Jusqu'à que l'enfant il va se dire, mais pourquoi on fait que de manger des légumes trempés? Ça, c'est en théorie, c'est le principe. C'est pour ça qu'on t'a demandé de faire le carpas. Nous, ce qu'on a fait introduire l'histoire du urras, d'aller se laver les mains auparavant, c'est parce qu'après, une fois qu'on va manger quelque chose qui est trempé, alors il faut se laver les mains. D'accord? Donc c'est implicite dans la Mishnah, on ne le dit plus parce que c'est une évidence. C'est comme si je te dis de vérifier qu'il n'y a pas des vers dans le bout de légumes que tu vas manger. C'était pas la peine de le préciser, c'est évident. Si je te demande de manger de la laitue, tu vérifies qu'il n'y a pas de vers. Et bien si je te demande de manger un légume trempé, il faut forcément se laver les mains, puisque d'avoir chez Tiboule Bemachke, un légume ou un fruit qui est trempé dans un des liquides, il faut se laver les mains avant de manger. D'accord? Maintenant, la Mishnah, elle ne s'est pas contentée de dire ça. Elle a compliqué un peu l'histoire. On parle d'un cas où le monsieur chez lui n'a aucun autre légume, si ce n'est que le maror. Il a plein de maror à manger. Du coup, eh ben, il va faire la mitzvah de carpas en mangeant un bout de maror. Vous avez suivi? Genre, je dois manger ma laitue ou mon endive. Je le mangerai plus tard, quand je ferai le repas, je ferai d'abord à la chilat matza, je vais manger ma matza, puis après je mangerai mon endive. D'accord? Et bien malgré tout, j'ai pas maintenant de quoi faire la mitzvah de tremper pour éveiller la curiosité des enfants, et bien je vais prendre un bout de maror, et je vais commencer à le manger en le trempant. Le partenaire est précis, on ne va pas le tremper cette fois-ci dans le maror, on peut le tremper dans n'importe quel autre liquide, on va le tremper dans le liquide, on va le manger en faisant juste la bracha de pour le Adama. La gamme va dire, parce que tu manges du maror, fais aussi la bracha de l'arklat maror, même si tu ne t'acquittes pas tout de suite la mitzvah, parce que la mitzvah, elle sera concrètement après, une fois que tu vas manger, la matza. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah, en fait, elle est venue me dire, justement, en m'expliquant comme ça, elle m'a dit, tu sais quoi, tu as fini ton kiddush, assieds-toi, on va t'apporter des légumes, par défaut, puisque tu n'as pas de légumes à manger, on va t'apporter du maror, tu vas commencer à le manger, mais tu vas le manger en... momentanément, en attendant que tu vas manger le pain, d'ailleurs la matza, là tu vas faire ta mitzvah, et seulement après tu remangeras réellement ta mitzvah de maror, d'accord? C'est pour ça que la Mishnah a traduit ça comme ça. Et vu où les fans avant d'apporter devant lui, Metabel Bachazeret, il trempera sa chazeret, ça veut dire que c'était l'usage de manger comme ça en trempant, sa chazeret, la chazeret c'est une des sortes de du maror, Hachemagel par Peret à pâte, tu le manges en guise d'encas jusqu'à ce qu'arrive le moment de manger concrètement la matza. D'accord? Une fois maintenant que tu as assez trempé, alors là, Eviou les fanav matza vachazeret vacharoset ushne tafshirim. Là maintenant, une fois que tu as fini ce premier service, alors maintenant on va t'apporter devant toi la matza, la galette. Le vrai maror que tu vas manger maintenant pour accomplir ta mitzvah chazeret. Comme ça, l'enfant, il va voir que tu apportes deux fois du maror. Tu as mangé un premier maror et maintenant tu vas manger le deuxième maror. Ouais. Et encore une fois, charoset. Et cette fois-ci, là, on va t'apporter le charoset. La charoset, on la connaît très bien. On en parlera ensuite. D'abord, je finis la phrase. Ushne tavshilin et aussi deux plats. Deux plats. Un en zecher du korban pesach et un en zecher du chagiga. Qu'on soit clair de nouveau, j'insiste. C'est pas un plateau organisé avec une tmouna, comment il faut faire le plateau selon un rizal. Dans la Mishnah, ça se passe pas comme ça. C'était concrètement. T'as mangé d'abord plein de légumes, et puis après, on te rapporte encore une fois une deuxième dose de légumes, avec en plus, on va t'apporter deux assiettes avec deux plats. Il n'y avait pas forcément d'un os qui était grillé, il y avait un premier plat et un deuxième plat. On avait pris l'usage ensuite de faire un œuf, mais en fait, on peut prendre n'importe quel plat. On peut même prendre la gamma, elle dit, tu peux même prendre aussi de la soupe avec un bout de viande, ça s'appelle deux plats. Il y a de la soupe et il y a de la viande. D'accord, nous on a rajouté sur ça plein d'allusions et de choses, en souvenir du Corban Pessar, en souvenir du deuil, qu'on mange un œuf, d'accord? Mais ça a été, c'était pas imposé de la sorte, d'accord? Maintenant, le charoset, on met un petit peu le focus dessus,
Charoset, on sait bien c'est quoi. Le charoset, non d'abord je le traduis tout de suite. Afalpichen charoset mitzvah. Bien que le charoset ne soit pas une mitzvah de le manger, selon le premier avis. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer, mitzvah, oui c'est une mitzvah de le manger. Soit, en fait, ça se passe comme ça. Là, les herbes amères, il y a un risque de d'un ver qui traîne dedans. Pas le ver, pas les petits, les petites bestioles. Il y a deux manières. Est-ce que c'est un ver ou est-ce que c'est un certain poison, une amertume trop forte qui peut faire des dommages. Donc du coup, on le trempe dans le charoset pour faire retirer, casser ce ver ou bien ce poison. Et après, il faut bien le secouer le charoset. Il faut qu'il soit amer au moment où on le mange. Il ne faut pas manger du... C'est pas le McDonald's, on mange un sandwich avec, avec du ketchup. D'accord? Il faut tremper dedans pour faire le truc. Il faut le secouer. Il faut qu'au moment où on le mange, on sente l'amertume. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, le charoset, on le fait à base de pommes. Et le Bartonura, il rapporte toutes sortes d'allusions qu'on rajoutait dedans. Il rapporte des ténimes, des figues, des noix, des noisettes, des amandes. Et encore d'autres fruits. Et puis aussi, important aussi, de rajouter dedans des épices. Mais des épices, et ainsi, le Bartonura, ça se trouve plus tellement à notre époque. Des épices qui étaient encore en tige, pas en poudre. Et d'expliquer en fait. On remarque qu'il y a une marloquette dans la Mishnah. Selon le premier avis de la Mishnah, le charoset, il n'a pas aucune obligation de faire du charoset. C'est technique parce qu'il y a ce petit poison qui traîne. Selon Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, il y a oui une mitzvah de le faire. C'est je t'ai surtout demandé de prendre en fait de la pomme écrasée. En Zecher l'Etapouach. En souvenir de l'histoire avec nos ancêtres qui partaient, des femmes qui partaient enfanter sous les pommiers, en cachette pour que les Égyptiens ne tuent pas leurs enfants. Et en plus de ça, je t'ai même aussi demandé de le faire de manière un petit peu épaisse, avec, en rajoutant justement ces épices, en guise de souvenir de la paille, pour faire une sorte de mortier. Et du coup, en fait, le charoset de la halle prend qu'il faut le faire de manière épaisse, et puis, pendant le soir après, on rajoute du vin dessus, on le dilue, et comme ça, on a gagné en même temps le zecher, la tapouar, on a gagné le zecher du mortier, et on a gagné aussi qu'après, on a aussi le zecher du dame, et voilà. Maintenant, donc, on a expliqué donc le charoset, comment il est fabriqué. Est-ce que c'est une obligation de le manger ou c'est juste un usage, parce que c'est technique? On retient, je crois, que la halakha, c'est une obligation de le faire, je crois. La halakha, il précise pas le Bartonura. De toute façon, il faut le faire. D'accord? Donc, ça c'était pour le charoset, et c'est comme on a précisé, c'est pour faire retirer sur ce petit poison ou ce ver qui peut causer des dommages, le faire fuir, et on insiste, on le secoue bien, on ne mange pas avec une tonne de on ne mange pas le maror avec le charoset techniquement, que ce soit doux dans la bouche, que ce soit amer. Ok? Maintenant, la Mishnah nous rajoute, Uba Mikdash, à l'époque du Bet Mikdash, alors là, Hayou Mevin Lefanav Goufo Shel Pessah. On apportait devant lui, enfin on apportait devant lui le Goufo Shel Pessah, le Pessah qui était tout grillé. Regardez comment d'un coup tout devient plus logique. Parce que quand on fait le céder dans notre époque, on se pose souvent la question, mais l'enfant il sait qu'on va tremper deux fois, d'où il sait qu'on va tremper deux fois, on a juste trempé une seule fois la carapace. Pourquoi il pose des questions qu'on trempe deux fois? Pourquoi il pose des questions que... En fait non, il voit bien que ce soir, on se conduit bizarrement. On voit bien qu'on t'a apporté, maintenant une fois que tu as fini de tremper, on t'apporte encore une fois que tu te prépares à tremper de nouveau, on t'a apporté de la matzah. À l'époque du Bet HaMikdash, comme ce qu'on verra, une des questions du Manishtana, il n'y avait pas quatre questions, il y avait cinq questions, il y avait une cinquième question, pourquoi ce soir on mange de la viande grillée? D'accord? Et voilà, on a fini, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Touv, Selah.